Aujourd'hui, on a travaillé toute la semaine, on a regardé bien sûr, vous doutez bien, les vidéos, mais j'ai pas regardé que les vidéos du match de Chambly, on a regardé aussi les vidéos du match du Mans et de Valenciennes, puisque ce qui s'est passé ce week-end, c'est aussi un fait par rapport à ce qui s'était passé avant, où on était passé très près de la correctionnelle sur les matchs d'avant, je l'avais dit, il fallait pas se voiler la face par rapport aux résultats, et ce week-end, ben, ils sont sortis 4 fois, ils ont mis 4 buts, voilà, ça peut arriver, c'est arrivé à d'autres équipes, notamment aussi à Sochaux. Nous, notre défaite, bien sûr, elle est difficile à accepter parce qu'elle est à domicile devant nos supporters, et comme je l'ai dit aux joueurs, on ne peut pas non plus... Sur 5 défaites, on perd 4 à domicile, ça fait beaucoup. Voilà, malgré tout, les deux premiers matchs étaient un petit peu des matchs perdus, mais avec une équipe un peu différente et tout. Mais les deux derniers matchs qu'on perd à domicile, que ce soit Orléans ou même là, ça fait beaucoup de points perdus contre des équipes qu'il faut respecter, mais qu'on doit être capable de battre. Déjà, il faut passer notre match de Sochaux, qui était un concurrent direct aux places où on se situe aujourd'hui. Donc déjà, il faudrait aller faire un résultat à Sochaux, mais je crois que les joueurs ont vraiment bien travaillé cette semaine. J'ai énormément confiance en tout mon groupe et je leur ai dit. Bah, Sochaux, c'est un entraîneur que je connais très bien puisqu'il est de ma génération et on a passé le BEPF ensemble. Il a fait une équipe où il allie beaucoup de jeunes avec des joueurs à forte capacité athlétique. Et il essaye de mettre des joueurs qui courent beaucoup, beaucoup de vitesse. C'est une équipe qui est intéressante, donc voilà, il va falloir être très présent dans nos paires de balles, puisque c'est là où on risque d'être en danger, et eux, c'est une équipe qui, malgré tout, est une équipe joueuse, qui techniquement ont des joueurs de qualité au milieu de terrain, donc voilà, ça va être un match, je pense qu'ils sont pas comme nous, par hasard, là où ils sont, parce qu'avoir 25 points... au bout de 15 journées, c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça va être un match, je pense, très intéressant des deux côtés. Et il va falloir essayer d'être le plus cohérent possible, le plus solide possible pour pouvoir revenir avec un résultat.